Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui et la foule le suivait, était si nombreuse qu'elle s'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait souffert, beaucoup souffert des traitements de nombreux médecins. Et elle avait dispensé tous ses biens sans la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parvins à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mon vêtement ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché. » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors, la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. » À quoi bon déranger encore le maître? Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent des grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors
prend avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « jeune fille ». Je te le dis, lève-toi. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger.